Salut la team, on est de retour. Première demande de jeu, c'est Splinter Cell Chaos Theory. La question étant donné que j'ai mis Splinter Cell Conviction hier en vidéo, ah ben y en a qui demandent pour Chaos Theory sur Series X. Alors on va montrer Chaos Theory sur Series X, évidemment. Épisode qui était une véritable claque visuelle à sa sortie, et de plus, en 2005. Et de plus, la version Xbox était vraiment avec des jeux de lumière, des effets. C'était vraiment une version absolument incroyable, incroyable, incroyable. Et on verra ce que ça donne. En tout cas, les temps de chargement, bah, le jeu en tout cas, est quasiment déjà lancé, on peut le dire. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on reste quand même dans une optimisation. Par contre, je n'ai pas vu d'autres. Il n'y a pas d'auto-HDR pour ce titre. Peut-être que dans le côté Splinter Cell, on peut dire que il est difficile d'avoir du HDR vu qu'on est beaucoup dans les noirs, beaucoup dans les effets d'un peu de lumière et ça rend peut-être pas super bien, mais peut-être y aura-t-il un patch. On sait que ça peut se faire au cours du jeu. Donc, ceci étant dit, ces vidéos sont évidemment pas patchées, ce qui est logique. Mais allons voir une nouvelle partie pour bah, voir comment ça se lance, si ça va vite, si c'est beau. Je ne sais pas s'il y avait une option pour passer les cinématiques. En tout cas, elle n'a pas l'air d'apparaître. Donc ben, on sait quoi qu'il arrive que le jeu avait été de toute façon patché comme tous les jeux de la première Xbox sur One X. Donc on se retrouve avec quelque chose de relativement toujours joli. Les temps de chargement sont rapides, le full screen n'est pas de la partie mais est un petit peu plus grand que ce qu'on voyait dans les autres Splinter Cell. Donc ça on le savait. C'est vraiment, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et j'ai quand même. Donc voilà, je sais bien que beaucoup ont une admiration pour ce titre, c'était un véritable jeu de qualité, c'est ce qu'on peut se dire. Donc oui, Chaos Theory, ma foi, pourquoi pas. Pourquoi pas remontrer les Splinter Cell. En tout cas, vous les voyez ici tourner, ce qui n'est pas fort différent finalement de ce que vous aviez l'habitude de voir sur One X, à part peut-être, comme j'ai dit, des temps de chargement plus rapides. Bon, j'attends que l'interaction apparaisse, c'est bon, elle apparaît. J'ai entendu un coup de feu, Fisher. Tout va bien? Oui, j'arrive, Lambert. Et quand je pense guérilla, le mot qui me vient à l'esprit, c'est Kalachnikov. Que voulez-vous dire? Juste qu'on m'a suffisamment tiré dessus avec un AK pour savoir que ce n'en était pas un. D'accord. Voyez si leur équipement sort de l'ordinaire et tenez-nous au courant. Voilà. Vous avez vu Splinter Cell Chaos Theory sur Xbox Series X. Et c'est un jeu qui a encore la classe. Allez, n'oubliez pas de nous dire les jeux que vous voulez.